L'objectif principal, c'est l'augmentation de la qualité de vie. Deux projets majeurs, le pavillon Lucien Brault, le pavillon Alexandre Taché. Les montants approximatifs en argent de 1990 sont de l'ordre de 10 millions dans chacun des projets. D'abord, la préparation, la remise en état de deux édifices, l'installation d'aménagement temporaire pour recevoir les enseignements pendant qu'on réaménage les édifices. Les premières étapes de la construction concernent les travaux d'excavation. C'est les travaux qu'on a dû faire pour faire place au réservoir, qui est un immense bassin d'eau construit en place. Ce réservoir d'eau va servir aux échanges de chaleur. Ça va servir à la partie chauffage et à la partie climatisation. En fait, on se trouve à créer une immense masse thermique. Alors, l'excavation s'est faite dans le roc, entre trois parties du bâtiment. On a déposé ensuite une dalle de propreté sur le roc, qui était un roc sain. En fait, la dalle de propreté sert à faire une assise parfaitement linéaire et va permettre la construction des autres parties de la fondation du bassin. La construction de la dalle structurale se trouve à être en fait la partie inférieure ou le fond du bassin. C'est cette dalle qui va recevoir la membrane d'étanchéité. Alors, la dalle du plancher de l'Agora, qu'on voit ici en construction, constitue la partie supérieure du bassin. Il y a eu des coulées de béton en continu avec les différentes colonnes qui vont se charger de transférer les charges à la partie inférieure du bassin. Ici, on voit l'installation des poutrelles d'acier qui vont constituer la partie toiture de l'Agora, dans laquelle sont intégrés deux puits de lumière. On passe maintenant à la salle mécanique installée sur la toiture, tout à côté de la bibliothèque. Il y a érection des supports d'acier, du squelette en fait d'acier qui va recevoir les différents équipements de ventilation. On parle ici des équipements de grand format qui vont servir en fait l'agora, la cafétéria et la bibliothèque. Il s'agissait de faire une étanchéité temporaire pendant la construction de la structure afin de protéger les parties inférieures du bâtiment.